coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je viens de me lever, je regarde un peu l'état du ciel. C'est pas terrible, mais bon, ça va, il fait doux quand même. On va déjeuner, Jackie? Allez, go! Allez! Allez! La faim, dis donc. Je vous reprends prête. Il est 13h. Pourquoi je vous prends si tard le matin comme ça? Depuis le confinement, déjà, je me couche beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et je me réveille entre 8h, 9h moins le quart, naturellement. Je mets quand même un réveil à 9h, parce que je ne voudrais pas dépasser après, ça plombe la journée, je trouve. Nous prenons vraiment le temps, c'est très important pour moi le petit-déj, c'est mon moment préf de la journée. Avec effectivement aussi le soir, Netflix, en mangeant de la glace. Donc on prend beaucoup de temps au petit-déj, on discute, on regarde des actus, mais pas des actus trop, voilà. Et ensuite, je commence déjà à regarder un peu tous mes mails. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai énormément de propositions. Alors, rémunérées, pas rémunérées, il y a de tout. Mais pour la plupart, ça ne me correspond pas. Et vous verriez aussi. Je vous en parle, c'est le milieu, mais j'étais à deux doigts ce matin d'envoyer une réponse. Ce que tu regardes, donc c'est partenariat rémunéré, ils te proposent... De proposer un service, un coach, tu touches 40%, blablabla. Et là, tu te rends compte, en fait, que c'est un mailing et tu as tout. Le gars, il aurait pu faire toutes les adresses des youtubeuses, de toutes les youtubeuses avec qui il veut bosser, quoi. Donc, le truc, mais impersonnel au possible. J'ai même pas envie de répondre à ce genre de choses. Mais même pas, quoi. Enfin, s'il y a des marques qui me regardent, faites un effort, quoi. Faites un effort, un minimum, personnalisez votre mail. Mettez le prénom, intéressez-vous un petit peu plus, faites pas un copier-coller, mailing, ou que je vous parle de ça, parce que ça m'a un peu agacée. Donc pour vous dire, je check, je réponds aux commentaires également, je réponds au partenariat, marque. Après, je me prépare. Là, par exemple, ce matin, j'ai fait mon shampoing. Donc shampoing, soins, séchage, make-up, même si j'ai plus de fond de teint. Et voilà, tout ça, ça prend du temps. Et nous voilà arrivés à 13h. Je vais manger. Arrête, bébé! Non, il fait encore ses griffes sur le tapis. Aujourd'hui, ma maison, pas le premier, pas le bas. Le bas, ça va, ça reste correct. On fait en sorte que ce soit quand même à peu près rangé. Mais alors, quand tu commences à monter, même dans l'escalier, hein, c'est encore en stock. Les choses n'ont pas encore été mises là où je veux les mettre. Quand tu commences à monter l'escalier, que tu arrives au premier étage, où il y a une chambre, une salle de bain, non, deux chambres, une salle de bain, mon bureau... Là, ça commence déjà à être le bazar. Ensuite, tu remontes, tu arrives dans la chambre où il y a aussi une salle de bain. Il y a toute une entrée, en fait. Et pareil, j'ai stocké des chaussures, des machins. C'est le bordel. En fait, le premier étage, le deuxième étage est à l'image de ma tête. C'est le bazar. C'est brouillard. C'est pas... clair, donc ma maison est dans le même état en fait. Souvent c'est... Et je sais très bien, comme beaucoup de personnes, dès l'instant où tu ranges ta maison, tu fais du tri, mais tu te sens tellement mieux. Et j'ai envie vraiment de le faire. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être qu'une journée ne me suffira pas, vu tout ce qu'il y a à faire, mais c'est mon goal d'aujourd'hui. J'ai très envie. Mais alors pour ça, il faut que j'arrive à me déconnecter total. C'est-à-dire que je vais pas vloguer, parce que... Vloguer quand tu ranges, quand tu laves et tout, franchement c'est chiant parce que tu poses ta caméra, tu machins, tu t'es pas dedans complètement. Donc je veux ranger complètement, et une fois que tout sera rangé, que je serai fière, que je serai voilà, je pourrai vous montrer. Je mange et après je ne fais que ça. On attaque. Ben voilà, on a la griffe qui est coincée. Ah non, oh, tu sais combien coûte ces housses? Ah mais je suis pas d'accord, hein. Mais vraiment je suis pas d'accord. T'as beau être très mignon, tout ce que tu veux, mais il y a un minimum quand même. Ben oui, maman, elle gronde. Enfin bon, fais un effort, bébé Zach. Tu peux pas casser tout le mobilier de ta mère. Non, tu peux pas. Ouais, oui, il répond. Réponds tout le temps. Qu'est-ce que c'est? Oui. Moi, je t'ai acheté un grattoir. Et tu ne l'utilises pas. Donc, s'il te plaît, hein. Bah comme hier, je vais me faire celui-là, le deuxième. Ils sont très bons. En général, je prendrai un œuf et je m'aime pas, ça va me suffire. Un petit comme ça et je me rattraperai ce soir. Je mange, bébé. Je le mets au four, c'est meilleur. Je trouve que c'est plus croustillant à l'extérieur et tout. On a acheté ce produit. Il sent super bon. Donc bah oui, forcément, c'est à base de citron.
Parce que je ne veux plus hein, utiliser l'eau de Javel. Je me suis vraiment très, très, très abîmée les mains et je ne pense pas que ce soit si bon que ça. Donc ça, Eric me dit, oui, ça enlève aussi bien. Bon, bah, j'ai envie de lui faire confiance. C'est-à-dire que je vais tout désinfecter avec ça maintenant. Les colis, les courses et compagnie. On n'en achetait plus de ça. Et bah, j'aime bien. J'aime même beaucoup. Allez, 14h16, j'y vais. Alors, on est d'accord, on va être sur cette pièce. Ça va, c'est rapide. C'est plutôt tout ce qui est câble par terre, mais c'est normal vu que j'utilise beaucoup pour tourner, remettre le tapis. Bon, ça, ça va. Ensuite, bah, nous avons cette pièce qui reste correcte. Juste cette partie-là, mais pareil, il faut que je sollicite Eric, comme je vous disais. Et là où ça se corse, oh, ya, ya, c'est ça. C'est ici, c'est-à-dire que il y a des fringues là, il y a des fringues donc sur les tendeurs normales, mais il y a des fringues aussi tout lolo que j'ai stocké et bah tout plein de fringues aussi que j'ai mis là parce que je compte en mettre, vous savez, dans les fringues. Il y en aura que je vais vendre, il y en a que je vais jeter, il y en a que je vais donner et il y a tout à trier. Ouais. Voilà, ça c'est ce que j'ai tout déblayé, tout le linge propre qu'il va falloir que je trie. Cette partie-là aussi, il y a tout à ranger. Les serviettes, il faut que je les plie parce qu'elles sont propres. Je mets également les draps. J'ai plein de trucs à faire. Vous voyez, j'avais dit que je ne vous montrais pas avant parce que j'avais perdu du temps. Et je suis en train de m'éparpiller. Donc, je pose ce téléphone, je le mets en mode avion et je m'y mets. Alors, moi, je suis pas mécontente. J'ai vraiment bien avancé sur notamment cette pièce, hein, la salle de bain. Le miroir, tous les éléments. Ici également, j'ai mis les draps, hein, vous avez vu, pliés. Ici, bah pareil, hein, j'ai tout trié, tout ce qui était dessus. J'ai fait une autre lessive pour changer. Et là-haut, je vous montre. Et je sais pas si je vous ai dit, mais cet aspi, donc là, je l'ai mis en mode court, on compte le fixer au mur. Mais comme nos murs sont pas très fiables, Eric a pour projet, donc après un confinement, d'acheter un meuble en fait. Et de le fixer sur le meuble. Mais je trouve que c'est là vraiment la place idéale. Hein. Dans la salle de bain, en plus, on a une prise en bas. Mais ouais, ça sera pas mal aussi. Et je vous montre également là-haut l'avancée. Sachant que j'ai eu un appel qui a duré ouais 40 minutes. Ma famille, j'ai quand même pas mal avancé. Ici, la bibliothèque. Aïe, je suis cognée dans la poutre. Enfin, qu'il va falloir qu'on enlève. Parce que regardez, ça fait plus droit tellement le poids. On mettra que de la déco. Alors, trois sacs poubelles quand même. Ce coin a été trié, déblayé. J'ai laissé le plaid de Jackie, c'est là qu'il dort. Ça, il a un œil. Et sur nous. Et en bas. Bah oui, forcément. Et tout ce que je vais soit jeter, soit vendre. J'ai mis ça dans le grenier en attendant. Évidemment, j'ai pas terminé. J'ai aussi ma chambre, j'ai plein d'autres choses à finaliser. Mais j'ai fait un gros, gros morceau. Et ça, c'est cool. Donc, je savais que ça allait me prendre plusieurs jours. Mais pour le moral, c'est bien. Et vous savez quoi? Je suis retombée. Vous voyez ce livre? Donc, je l'ai feuilleté, un superbe livre de chat. Et il y a des années de ça, je m'étais lancée dans l'écriture d'un roman. Mais des années. Et je sais que je tapais à l'ordi sous Excel Word. Et j'avais tout perdu. Mais je savais également qu'à un moment donné, j'avais imprimé les 30 ou 40 premières pages. Mais impossible de remettre la main dessus. Forcément. Je les avais mis là-dedans, cachés. Donc, je vais pouvoir lire ce que j'avais écrit. Je me souviens, c'était un peu un thriller. Putain, c'est cool. Je vais pouvoir lire. Et puis, si c'est pas mal, je peux le continuer. Enfin, je pense qu'il va falloir que je transforme parce que bon. Mais ah, ça fait tout drôle. Je commence à feuilleter tout ça. Hein, il y a donc des photos magnifiques. Toutes les races possibles de chats. Hmm. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois mon roman que j'avais mis ici. J'avais tout tapé à la machine. Que je terminais d'ailleurs. Ah, j'étais trop, trop contente. Et je suis retombée sur un dessin. Pareil. Et ouais, bah c'est cool. Voilà, quand on range, en même temps, on fait de belles trouvailles. Je vais la faire tomber, regardez. Magnifique livre que je viens d'abîmer, quoi. Super. Allez. Je vais aller faire manger parce que je crois qu'il est pas loin de 20h. J'avais oublié. J'ai fait un truc sur Instagram. Une petite danse. Faut que je remonte ça et que je range ça, évidemment. C'est en train de chauffer. Alors, ce soir, on se concocte une petite soirée. Déjà, on va manger fish and chips. Donc, des beaux filets de poisson avec des frites.
des glaces évidemment, et on va se remater en, comment ça s'appelle, 4K, ouais, en 4K, Blu-ray 4K, les 1, 2, 3 Star Wars, enfin non, je dis conneries, le 1 ce soir, 2 peut-être demain et ainsi de suite, parce qu'ils sont quand même longs je pense. Et voilà, grosse soirée, et on est très très contents. Hier ça nous apprend, on s'est dit, parce qu'on regardait la série sur Disney+, Star Wars, et on trouvait qu'elle était bien foutue, et on s'est dit, voilà, pourquoi on se rematerait pas le 1, 2, 3. C'était mes préférés, moi, quand il y a Anakin qui est petit et tout. J'adorais. Vous savez quoi? Je vais terminer ce vlog maintenant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un vlog sur une journée entière. C'est pas un vlog qui va être non plus hyper, hyper long. Mais petit à petit, je reprends mon rythme. Bon, bah, je vous dis à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais un gros, gros, gros bisou. Jack n'a fait que ça râler aujourd'hui. Bisous.